Laissez-moi dire que le conseil présidentiel transition li prend deux gros coups journée mercredi 20 novembre 2024 là. Tendez bien samedi. Conseil présidentiel transition pays d'Haïti li prend deux gros coups journée mercredi 20 novembre 2024 là. Premier ça que conseil a prend comme coup c'est que conseil t'attend que conseil sécurité des Nations Unies pour que te vote une résolution pour te transformer mission multinationale qu'il a en une mission maintien la paix. C'est bien samedi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que KPT mette avec gouvernement Alix Didier Fils-Aimé n'est que t'attend là. Mais c'est dans le Tapton que, puisque pays la Russie et la Chine, si on te convoqué une séance publique travail Conseil Sécurité des Nations Unies, yo Tapton que Conseil a décidé pour que li capable tende demande haïtien, tende cri haïtien yo, puis yo te transformé mission ça en mission maintient la paix. Malheureusement, pays la Chine a pays la Russie, ils n'ont pas décidé de transformer mission ça. Et ils ont dit que conditions pas réunies pour que déploiement en mission Nations Unies fait en Haïti. Tenez bien samedi. Conseil sécurité, puisque gagné deux pays, c'était la Russie avec la Chine, ils ont été convoqués pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies hein, et ils ont appris à discuter sur le dossier Haïti. Hein. Ça a passé à Haïti dans le moment. Et c'est ça te ben, en pile qui est content. Les que leaders politiques, nous, les que membres KPT, les que gouvernement Fils-Aimé, t'étendez que pays la Russie avec la Chine convoqué pour que vous capable chita sur dossier Haïti. Vous t'attendez que vous avez gagné une réponse positive. Mais malheureusement, pas de rien sorti, c'est que jusqu'à présent, ni la Russie, ni la Chine, vous avez la même position, vous opposé avec dossier ça. Et on montre que pendant 30 années que Nations Unies a fait déploiement en Haïti et ça a coûté plusieurs milliards de dollars, pas jamais de solution qui baille. C'était bien samedi. On montre que pendant plusieurs années, que pendant plus que 30 années, Nations Unies a voué mission principale en Haïti et qui coûtait Nations Unies plusieurs milliers de dollars, mais pas jamais une solution qui baille. Et ça fait me songer et ça rappelle les que ancien PM Gaïkoni te dit que communauté internationale là, il était clairement dit que li bouquet avec Haïti. Yo bouquet avec nous. Yo que trop l'année que y a été Haïti, yo pas jamais moi ça créer amélioration dans condition haïtien. Et bien, définitivement, mais finalement, nous est que pas de aucune aide, pas de aucun support qui vraiment abaille avec Haïti pour aider une sortie dans sa ni là. OK? Pas de aucun support vraiment, pas de aucun aide vraiment qui abaille avec Haïti pour aider une sortie dans sa ni là. Ça veut dire que problème haïtien, je que moi toujours dis, avec Désir Venesse, eh bien c'est haïtien qui pour retirer tête dans sa vie là. C'est soi-disant, mon que les autorités nous yo, c'est yo même qui pour retirer Haïti dans sa vie là. L'autre que KPT apprend,
c'est là que président pays la France non Emmanuel Macron monsieur dit l'équité moi dit monsieur Chili monsieur dit et bien qu'il y a un haïtien qui mandé Emmanuel Macron qui ça l'a fait avec dossier haïtien puisque pays la France li pa innocent nan sa Haiti ap konnen la. Emmanuel Macron répond pou le di, tande bien. Monsieur di que tande bien. Président pays français Emmanuel Macron li fait déclaration ke m gal di nou en bal tande la pendant que li te nan yon visite nan pays Chili. Après un citoyen haïtien te pose la question sous responsabilité la France dans crise qu'a brassé Haïti. Eh bien Emmanuel Macron monsieur accusé haïtien yo dans ça qu'a passé en Haïti. Emmanuel Macron président pays français monsieur accusé haïtien pareil moi yo pareil ou yo dans ça qu'a passé en Haïti monsieur dit que monsieur dit yo quitté yo bande narcotrafiquant a fonctionné en Haïti chef l'état français hein? Monsieur qualifié de stupide moun ki révoqué ancien PM Gaïkoni yo premier ministre nan, selon Emmanuel Macron n'a cité premier ministre nan, t'a fait un bon travail yo pas de voyel aller déclaration Emmanuel Macron qui dit la France pas qu'à remplacer autorité haïtienne yo m'a fait entendre Emmanuel Macron c'est vrai c'est en français même pas c'est que l'a important pour nous dire. OK? Bref, fait entendre Emmanuel Macron. Monsieur clairement dit que c'est haïtien qui est responsable de situation Haïti. Entendez monsieur. La question qu'on souvient des armes, c'est les haïtiens qui ont tué Haïti. On les sonne narcotrafic et là ce qu'ils ont fait, le premier ministre était super, il est défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, c'est terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. On défendait le Premier ministre, on était... La question qu'on souvient des armes, ça n'est pas... La question qu'on souvient des armes, ça n'est pas... Franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti. En laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super. Il est défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, c'est terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. On défendait le Premier ministre, on était... La question qu'on souvient... Mes amis, t'es bien. T'es bien. Monsieur dit que c'est Haïtien qui détruit Haïti. Emmanuel Macron dit, c'est Haïtien qui détruit Haïti. Ils ont accepté un ensemble de narcos africains rentrer en Haïti, à vivre en Haïti. OK? Et il dit que... T'es bien, il dit... que li pa jam ka remplacer autorité haïtienne yo mais c'est vrai li pa jam ka remplacer autorité haïtienne yo li dit tout que haïtien pa jam sorti nan sa yo là parce que c'est eux même encore qui mettait tête là haïtien pa jam sorti non nan sa ville là parce que c'est eux même qui mettait tête là et le fait que c'est mettait tête nous là ça veut dire que eh bien c'est même moun kené les autorités yo c'est même moun kené les dirigeants yo c'est yo même qui mettait Haïti là eh bien le fait que c'est même qui mettait Haïti là yo accepté que des narcotrafiquants cap dans pays d'Haïti yo accepté que a fait instabilité yo accepté qu'a fait dérive en dans pays hein eh bien Haïti va jamais sortir dans ça là
Et lui-même a l'épine pour le dire que lui estimé, lui jugé que un CPM Gaïkoni t'a fait un bon travail, bien dit. M'a cité Emmanuel Macron. Lui dit que lui estimé, lui jugé que Gaïkoni t'a fait un bon travail. Il faut y aller. Mais Kounia, go pas quatre paramètres pour nous garder. Parce que émission aujourd'hui hein, bien que des si pourquoi pas pourquoi avec mais m'espère que nous comprenne. OK, comprendre ça gain là. Pas oublier que jeudi hein, on pas innocenté communauté internationale non dans Haïti a connait là. Parce que m'a vle haïtien affolé de ça Emmanuel Macron dit hein. Yombo Emmanuel Macron que vérité que il dit dans ça dit hein. Mais on l'autre bord tout faut que nous garder est-ce que ça Emmanuel Macron dit yo est-ce que tout ça dit yo nous oblige à accepter avec je m'vle que mon qui est dimension comprendre ça m'a dit là. OK. Et ça, Emmanuel Macron dit, l'idée servir de leçon pour que nous comprenions problème haïtien, c'est Haïtien pour étirer Haïti la donne. Comprenez bien. Dans la situation Haïti trouvée le jour et aujourd'hui, c'est Haïtien, quel que soit couleur peau. Quel que soit Jean-Chier Voteye, quel que soit rang social, quel que soit niveau intellectuel qu'on y est, je dis en comprendre que c'est Haïtien d'abord qui vous retire Haïti dans sa lila. Ça c'est premier, ça me tire comme leçon moi-même. Et le clair, Macron dit que l'IPAP a remplacé l'autorité haïtienne. Yo. Et quel que soit mon cap garder cap tandem là qui habitué tandem habitué garder moi toujours dis ça et pas ni américain ni blanc français ni blanc canadien qui vient retirer Haïti dans sa lié là yo capable aider ou si yo vle a bien dire yo capable aider ou si yo juge que yo vle aider ou. Mais ou pas qu'à mettre espoir sur yo. Ou pas qu'à attendre qu'il est America font bagay pour nous. Qu'il est Canadien font bagay pour nous. Qu'il est Français font bagay pour nous. Qu'il est Nations Unies font bagay pour nous. Qu'il est OEA font bagay pour nous. Mais c'est n'arrêté tellement demander ça. Pendant plus que 30 l'année. Qu'on a joué dans le pays d'Haïti. Joué dans le pays d'Haïti. Et m'a pas nous menti. Dis pas la Jean Lien. Nous perdons Haïti. Nous perdons pays nous. C'est jeudi, hein. C'est gang armé. C'est nek avec zam illégal nan men yo. C'est eux même qui ont la voix au chapitre dans le pays d'Haïti. Oui, Fanzi Bagalay. C'est nek armé, nek ki gen zam illégal nan men yo. C'est qui gen la voix au chapitre nan pays. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Ça veut dire les vous essayer comprendre ça gen là. Je dis hein. Est-ce que nous connaît je n'ai pas mis plus gros groupe moun qui détruit Haïti, c'est politiciens haïtiens. Je ne veux pas avec toute sincérité. Comme d'habitude, à bien dire. Est-ce que nous ne connaissons pas mis premier groupe moun qui crase Haïti? Lycée politiciens haïtiens. Lycée oligarques corrompus. Ah oui.
lycée politiciens haïtiens, lycée oligarques corrompus, lycée nèg armé ça yo, et en l'état la net gay communauté internationale. M'va l'expliquer. M'va dire ça t'est bon sous Duvalier parce que m'autre fait ni père ni fils. M'va dire ça t'est bon. Mais histoire rapportée, c'est vrai. Nous tenons régime Boudi. Et ben te dit que n'a sorti dans démocratie, dans dictature, n'a prend démocratie. Mais je dis hein, en pile nan moun ki te koumè pour que nous te gen démocratie hein. Je dis en pile nan a dit que Haïti pot comparer pour te prend démocratie ça. Pas vrai? En pile nan nous dit Haïti a pot comparer pour que te prend démocratie hein. Parce que on regardez avec démocratie ça nous craser production nationale pays nous détruit cochon créole nous pour vieux cochon du langue étranger yo. OK donc nous détruit production diri noir pour diri pépé à poté ba nous yo vieux poisson Miami OK et comment boit les 3 pour 15 salté au lieu que nous t'ai encouragé une politique agricole pour te permettre que même les jodi pays a t'a toujours dans situation difficile oui mais c'est pas dans niveau que t'a là et en même temps tout dans question insécurité alimentaire nous pas t'a gagné plus que 5 millions haïtiens qui dans grand coup parce que ou petit bail clair. En pile nan jeune garçon sa yo ki kebe zam jodi an est-ce qu'en konnen si que si te ke san rele même les m'pap di gros infrastructure mais est-ce qu'en konnen si te genyen exactement qui est sur production agricole en un pays, hein? Secteur ça travaille. Est-ce que nous te connais que moi je suis certain dans niveau misère grand coup ça dans niveau insécurité ça moi certain moi douter moi pas douter non que le patap dans niveau ça il patap dans niveau ça. Je dis, il y a un premier groupe monde pour que nous rendions responsables, nous rendions coupables dans la situation haïtienne, lycée politicien nous. Lycée politicien nous. Bah, étudier une méthode, lycée politicien nous. Parce que yo vann pays à bay étranger. Yo vann Haïti bay blanc. Et yo vann sous toute forme. Ah oui. Yo vann Haïti à bay blanc. Yo vann étranger à bay blanc. Yo vann sous toute forme. Donc je dis yon, nous pas ka à parler de destruction Haïti. Pour ne pas parler de classe politique haïtienne. Pour ne pas parler de yo. Après que yo fin vann pays à bay blanc, pour yo consolider pouvoir yo, yo décide à mes jeunes garçons dans le ghetto. C'est pas oublié. Gyan pile nèg la, le bioteri de président, c'est en bakout zam. Gyan pile fama garçon la, les bretéries et députés, c'est en bas coup de zam. Yeah. Les bretéries et sénateurs, c'est en bas coup de zam. Magistrat, c'est en bas coup de zam. Ça veut dire que yo te décidé à mes jeunes garçons de ghetto pour défendre l'intérêt.
pour défendre l'intérêt. Donc, je dis, hein, c'est yo, yo se pas mi moun qui crée mon sac n'y la yo. Yo se pas mi moun qui ba nous vivre ensemble, classe politique haïtienne. Nan. Ah oui, m'gon lege kap fâché, même by vérité ya. Yo se pas mi secteur qui ba nous vivre ensemble jodi an. Je vais regarder les vivre ensemble créer faire coalition. Mais je dis que c'est qui va nous, je ne sais pas, mais moun, qui va nous jeunes garçons armés dans le pays. La classe politique haïtienne, c'est une la donne. Donc je dis en tout, il faut regarder le secteur privé à faire haïtien. Le secteur privé à faire haïtien, que je que nous connaissons dit là, je que président Jovenel qu'on a dit là, oligarque corrompu. OK? Parce que je veux dire, comprendre très bien. Les que de nèg dans secteur privé, y a des franchises douanières, ça en relé, y a des autorisations, y a capacité avec marchandise, y a pas quel privilège que jouit dans l'État. Conteneur qui a venu chez vous, avec bata qui a gagné dans vous. Et même moun qui dans le secteur privé a fait haïtien, yon entre tête yon, alors, yon entre tête yon, dans une concurrence déloyale, yon détruit pas moun qui dans le même secteur avec yon. Eh bien, pour yon protéger business yon, pour yon protéger terrain yon, yon décide servir avec un groupe jeune garçon. En face l'autre monde qui c'est et comment grand nèg même j'avais yo je dis en garde ma qui très clair même je gagne division dans secteur dans classe politique haïtienne nan gagne gros division tout oui dans secteur privé affaires haïtien gagne gros division pas penser que l'autre secteur privé a fait haïtien, comme si tout n'est pas union. Non, pas comme ça. Yon chèque a cherché un monopole économique d'haïtien. Et qu'on a pour yon capable de gagner monopole économique d'haïtien, yon obligé à détruire pareil yon. Et meilleure façon pour yon détruire pareil yon, c'est de décider d'utiliser masse défavorisée yon. Les qui ont décidé mettre des âmes dans mes jeunes garçons de ghetto. Et voilà que Kounia, les qui ont fini à mes jeunes garçons de ghetto, les qui ont décidé mettre des âmes dans mes jeunes garçons de ghetto pour travailler dans l'intérêt. Et jeunes garçons, ça y est, chaque fois que y a utilisé pour y a fait mission pour eux, yo ba yo l'argent, yo ba yo ensemble de avantage. Et bien, pas oublier que les que mission sa fin exécuté, yo pas besoin yo encore, yo pas utilisé yo encore. Il est comme ça. Yo quitte avec toutes âmes nan men yo. Yo quitte avec toutes âmes nan men yo. Ça veut dire que jodi hein, ni classe politique haïtienne nan, ni secteur privé haïtien hein, qui yo même mette zam nan mes jeunes garçons yo nan intérêt yo jodi an la yo responsable de sécurité en Haïti an. Yo responsable de insécurité en Haïti an. Kounya ou pral zim parce que pas oublier en sérieux pas oublier que de connivence parce que moi toujours dis ça ici an résout problème insécurité an. Li pa seulement mener opération pour dénicher, pour démanteler bandi armé dans ghetto yo, ça ni les bandi à sapatio. Non. Li pa seulement ça. OK? Li pa seulement mener opération dans Badelma, dans Bel Air, dans village, dans Grand Ravine, dans Croix des Bouquets pour dénicher, pour démanteler bandi armé à sapatio. Mais résoudre problème insécurité en tout.
li se on bataille kont group moun ki nan commerce zam an nan peyi an. Ah oui. Parce que m de je dis ça ici an. Touye barbecue, touye iso, touye tout chef de gang ki gen la yo, ou di mwen ske touye tout et ni chef gang ni pépinier yo. M garanti ou après 10, 15, 20, 25 ans encore, n'a tourné dans même situation. Si d'abord nous pas comprendre que vrai problème faut nous poser à la base. Problème inégalité sociale là faut le résoudre. Problème justice sociale là tout faut le résoudre. Problème socio-économique yo faut résoudre. Moi comprendre que il y a pas qu'à résoudre un bon matin. Mais faut commencer à faire de projections pour nous résoudre problème socio-économique, problème de base yo. On commence à penser sur ça. Parce que, je vais vous remarquer ça. Majorité, soit jeune garçon, jeune femme, adolescent, qui n'en fraye de gang yo, ou après que c'est des petits jeunes et des petits moun qui te frustré parce que yon train de vie qui n'ont pas gagné. Gen un social qui n'ont pas gagné. Gen de humiliation qui n'ont pas pris en vie. Parce que gen de problèmes qui d'abord pas posé dans la famille. Et gen de problèmes tout que l'État, à travers l'autorité, n'ont pas pris responsabilité pour éviter que peut arriver là. Nous devons comprendre ce que je dis. Ce n'est pas l'État qui va craindre les gens. Et pas l'État qui va craindre les gens. Par exemple, mon ouvert chambre, il fait n'importe 7-8 gens. Bon, vous avez pouvoir faire quantité de gens, vous voulez 7. Parce que, vous avez encore. Vous avez fait ça, vous voulez. Mais, Kounia, est-ce qu'on paraît pour occuper? Est-ce qu'on paraît tout pour que les gens yo ou prendre sa responsabilité familiale envers eux-mêmes. Bazo moun pa fè pil ti moun. Ou gen droit de reproduction ou reproduit. Mais kounya lò fè ti moun nan tout pa ka okipèl. Ou fè un crime tout. Ou fè un crime sou tèt tout, ou fè un crime sou ti moun sa. Et ou fè un crime sou société an. Parce que ti moun sa que ou tombe grené 5 6 7 8 9 10 ti moun nan et ou pa ka occupé yo mais ou tout dit tout ou va créer des lécans vagabond ba konnen mauvais affaire pile nan yo que ti moun nan lè que ou même comme papa et maman ou lever nan kailan ou pa ka bal manger ou pa ka occupé l et ben li pral fisquer lè regarder petite voisine nan. OK. Et en même temps tout li pral jwenn l'autre Simon qui pral jwenn en tête li qui pral proposer yon ensemble de bagay et ben li même comme ni nan besoin hein comme ni nan nécessité hein li pral faire yo et puis devant mes côté qui pral mener nous nan véritable désordre dan skou li alors pral dim nan responsabilité l'État. L'État te doué gagner nan capacité l'État te de gagner nan pouvoir pour que li prend des dispositions pour li comme t'a dit là accompagner prendre responsabilité envers si moun sa yo envers parents sa yo mais quand même tout a une limite parce que pour qui ça nous sommes pays pauvres. Nous sommes pays pauvres. Parce que, bon, je vous dis, pays qui viennent pays riche, c'est bon pour matin, nous venons riche. Ils travaillent sur ça. Et ils prennent des années. Ils ont une population qui est éduquée, qui est formée. Ils ont des autorités qui comprennent
que nécessité pour que yo capable yo même eh bien respecter attribution yo. Mais en Haïti c'est le contraire. En Haïti c'est le contraire. Et je dis hein, oui, nous avons droit à l'éducation. Nous avons droit à la santé. Nous avons droit au logement. Nous avons droit à la manger. Nous avons droit au logement. Comme si, pour que nous avons train de vie. Ensemble de droits, ça n'a pas respecté. Que les gens qui passaient et qui étaient coumés, dans le moment de la loi 87 ans, qui mettaient ensemble de loi ça, de 87 à jeudi, eh bien, tout ensemble de loi ça a violé. Qu'on a attendre que n'a privé dans le niveau ça. Attendre que le fait que ti regardez ti chimé maligne. OK? Nous pas essayer prendre cal prendre soin pour que il soit capable de guérir. Eh bien la vie ba nous gros java. Et je dis c'est java ça que nous là. Java pile simon que l'état pas de contrôle sur pouvoir fait simon mesdames yo. L'état pas de contrôle dans question ça ne les délicats juvénile accompagnement famille pas de bagarre comme ça. L'état pas de aucune politique familiale qui vous te permettre que yo te capable de contrôle famille et pour te éviter vous tomber là pas gagner l'école assez pas gagner c'est professionnel assez. L'État pas fait route, pas vraiment investi. L'État pas investi dans rien. Non mais on nous dit de 86 à jodi an dans quel plus gros secteur que on connaît pouvoir qui passer yo. Rive sous bonne messieurs dames qui là yo dans qui plus gros secteur que l'État yo investi pour te empêcher pour nous arriver là. Non, mais nous on dit ça. Parce que je dis à Mbawel. C'est pas jodi non. Les nab dit que on moun ka vivre en Haïti, li c'est un héros parce que je dis à bagala vim pi mal, c'est vrai. Mais en sérieux. En sérieux. Et pas jodi seulement. Ça t'est qu'arrivé. Nan niveau insécurité ça. Que nous pouvons arriver là-dedans. Mais tu as toujours des problèmes. Oui. Tu as toujours des gens qui ne peuvent pas manger. Oui. Tu as toujours des gens qui ont dormi dans la rue. Oui. La vie est plus mal. Avec question de sécurité, ça va la vie plus mal. Qu'on y a. Que la vie comme si pas de comparaison. Mais il n'est pas étonné. Parce que il y a une préparation qui n'est pas faite à la base. José l'entendé président Emmanuel Macron qui parlait pour dire que Haïti pas de aucun côté que le calé et Haïti a dit haïtien même en soi yo pas vle sorti dans ça comme situation. Il même montre que t'es un PM qui s'est gagné connu qui t'a fait un bon travail. Yo voyez l'aller. OK? Je dis hein, même pas de problème que Emmanuel Macron j'en dis hein, les pas jamais cap prendre place autorité haïtienne yo. OK? D'accord ça. Parce que c'est français, la prêté français. OK? Et c'est pas il c'est président yon nan pays qui pi. Alors yon nan pays grande puissance dans monde là. OK? Mais je dis hein, est-ce que la France innocent dans sa Haïti, on est là tout.
m'a dit non. La France pas innocent. Et de 18 novembre 1803 à jeudi en là, la France a fait une paix en fréquentité. La France a fait une paix, un dérespect qu'elle t'a fait dans le monde là. Fond d'accord ça. Fond d'accord ça. Mais qu'il y a problème qui gagne. Si n'te ke moun qui c'était moun vraiment comme autorité, comme dirigeant, malgré tout ça qu'autant de que communauté internationale a fait là, mais si yo t'es n'te ke de moun qui t'es capable de parler avec yo, qui t'es capable de défendre terrain nous, moi certain, gebaga va t'aime ka oser faire haïtien. Vous faites un pays d'indépendance jusqu'à présent. Pas parler la France de payer, de rembourser Haïti d'être indépendance. Non. Ok? Ok? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que je dis, hein, oui, nous comprenons que nous payons une dette, nous payons une fréquentité. Et je me songe, je suis un avocat, je suis un frère de Denis Julien, si je ne me trompe pas. Je suis un bagaille, je te dis que Haïtien, il faut nous gommer. Pour que nous retirer souveraineté nous dans les États-Unis, dans le Canada, dans la France. Parce que jodi an, pas que aucun dirigeant haïtien, pas que aucune autorité qui passe dans le pays, an. Et même ça qui l'a eu, quel que soit le capeté, l'été fils aimé, l'été Ariel Henry, l'été Kony, l'été Jovenel, l'été Matéli, l'été Privert, l'été Aristide, l'été Préval, qui a dit que nous c'est un peuple souverain. Non. Qui a dit que nous gagnons une tête, nous. M'a dit non. Et on connaît clairement que des décisions qui apprennent nos peuples haïtiens, il faut qu'ils consultent les États-Unis. Il faut qu'ils demandent aux États-Unis. Est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle veut faire ça? Faut qu'elle demande au Canada. Est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle ou bien nous doit pour faire ça? Faut qu'elle demande à la France. Est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle doit pour faire ça? En gardez bien. Dernière élection Haïti là, qu'est-ce qui va être président? Dernière élection Haïti fait là. Si je ne me trompe pas, peut-être 3 à 4 dernières élections en Haïti là. Qui est-ce qui va être président? Qui est-ce qui va être sénateur? Qui est-ce qui va être député? Hein, qui est-ce qui va être? Dis-moi qui est-ce qui va être dans le commentaire là? C'est la communauté internationale. Parfois, ce n'est pas les États-Unis qui dit ma bain est tel, c'est la France. Yeah, c'est la France. Le gars de Matéli, qu'est-ce qui va Matéli? Les États-Unis? Ah oui. Et lui va États-Unis qui va Matéli. Parce que Matéli, il c'est petit yo. Et il te gagne terrain dans Matéli. Est-ce que comprendre? Donc je aime les qui comprendre. C'est pas développer un sentiment patriotisme. Ce n'est pas seulement développer un sentiment nationaliste. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut nous mettre à la côté. Je dis, je ne vais pas dire au monde pour ne pas comprendre que. Ok? Ok?
OK. M'a dit que Haïtien m'a dit que Haïtien frère Semyo pour que yo pas analyser soit même Jean avec et même plus que ça m'a dit là yo pour yo comprendre mais je dis hein l'Emmanuel Macron fait comprendre que OK OK. Les Emmanuel Macron fait qu'on est que oui. Haïtien d'accord craser pays. Haïtien d'accord que yo accepter que une équipe narcotrafiquan une équipe narco-africain. Je dis, hein, mais Haïti côté est là. Et puis, révoquer un PM, peut-être, moun ki nan a gay koni a trouvé son belle déclaration. OK? A trouvé son belle déclaration que monsieur fait. Mais moun ki ba nan koni a mal oué déclaration Emmanuel Macron. Mais moi-même, m'a analysé tous les deux côtés. M'a regardé tous les deux côtés. Parce que, est-ce que Koni, bien évoqué, peut-être Kapeta a jugé dans la mission, dans le travail qui a été fait Koni pour exécuter à 4 avril, il y a que il n'est pas satisfait du travail. Ça a Kapeta a connu. Kapeta a tout cas jugé que tout. Koni a trop pouvoir passer. Koni a passé pouvoir par en bas pied. Il décide de réagir. Ça, c'est eux-mêmes qui connaissent. Mais qu'on a réalité, hein, que les peuples haïtiens, opinion à partager dans le temps. Si vous avez la théorie que Koni, tu commences à bien travailler. Mais vous avez la théorie que Koni, pas d'avoir bien sérieux. Ça, c'est opinion. Hein. Parce que l'opinion haïtienne, soit qui en Haïti, à l'étranger, et sous réseau, qu'à suivre chaque minute, chaque seconde, ça qu'a passé dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Et je dis à vous comprenez ça. OK? Je dis, hein, je veux dire que OK. Je dis hein. En pile monde capable comprendre que ça qui a passé à Haïti là il mérité qui en pile monde questionnel qui en pile monde gardel. OK. Et comprendre résoudre problème haïtien. J'aime toujours dire là c'est pas étranger qui va faire pour nous. Non, il va faire pour nous. Il va lui-même. Et dans ce sens-là, qu'il comprend, si nous avons besoin de problème Haïti à résoudre, c'est comme ça que chacun a essayé de prendre. Je dis, c'est vrai, en pile,
projecté les mains sous zone canapé vert. En plus projecté les mains sous zone Bourdon, on parti dans Pétionville. Parce que après journée, tension, vive tension, dans mardi 19 novembre, nan, côté plusieurs présumés bandits, petit la vie, hein? Eh bien, pas oublier, équipe coalition vivant sans bandits armés, ça yo, yo décide yo même bon côté pa yo, pour yo, dit tête yo, yo pral venger akolit yo. Yo décide dit tête yo, yo pral agir contre akolit yo, pour akolit yo disons. Ça vient faire zone sa yo, zone canapé vert et m'a dit zone canapé vert mais diverses zones dans région métropolitaine Port-au-Prince là OK yo sous alerte et habitants dans zone sa yo yo prend en pile disposition pour yo barrer la route avec toute forme attaque que quel que soit bandit armé, quel que soit groupe criminel qui t'a gagné dans tête yo vienne poser action dans zone ça yo. Peut-être que je dis hein m'pa vle moun ap rentrer dans logique parce que Pétionville la police mobilisée mais non m'pa vle ça parce que ça moun yo a dit là sur réseau hein l'a divisé la police nan. Et la fait population mal ouais la police nan. Elle pas ça. Pas oublier que bandi te mette à l'aide sur Pétionville. Bandi yo mette à l'aide sur Pétionville. Depuis plusieurs semaines. Eh bien, c'est vrai que la police a pas capable déployer dans tout côté. OK? C'est vrai que les papes capables de déployer dans divers côtés. Mais, côté de l'alerte, ils étaient obligés de mettre plus accent sur lui. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Côté de l'alerte, ils étaient obligés de mettre plus focus. Et c'est là que ou pral jwenn mardi qui c'est mardi qui c'est exactement 19 novembre nan que groupe chaîne garçon sa yo pral rive pèti la vie yo si vous comprenez et je dis hein on veut que quelque soit moun capable comprendre quelque soit moun capable de garder. OK? Et où est exactement ça qui gagne? Et ça qui a passé? Moi, pas quoi que c'est dans la violence qui arrive à résoudre le problème Haïti. Mais, il faut comprendre tout. Chien, même fou, mi fou, moi, dit. Même fou mi fou mordé. Parce que, les que gêné la mordé, les fou mi fou en gêné la mordé. Mais peuple haïtien, à force que tellement vite à victime dans mes messieurs armés, ça yo, yo joun quelque part, pour yon faire un coup de bec, j'en puis mon yon l'élan, yo fait. Peut-être, c'est pas dans le niveau ça, et pas santé souhaité. Mais messieurs, dames, bandi armé yo criminel nous trois monsieur faut te connait quand même peuple là s'il joigne quand même fait une action sur nous depuis jeune il a fait c'est quoi bon depuis jeune il a fait il n'est pas capable empêcher le faire parce que les victimes en pile dans nous les victimes en pile dans nous et c'est là problème n'a posé. Parce que barbecue souvent dit c'est action mener réaction
eh bien, à force qu'il y a tellement de factions sur le peuple, ils sont obligés de venir faire réaction eux-mêmes. À force qu'il y a tellement fait action sur le peuple, ils sont obligés de faire réaction. OK? Et ça arrive là. Et ça passe là. Nécessaire, je vais vous entendre Hervé Sétilus, ancien secrétaire d'État d'alphabétisation, monsieur, qui t'est invité dans le point métropole avec Wendell Théodore. Il t'a parlé de situation qui a passé dans le pays en sécurité et surtout dans la commune Léogan. Ah, parce que l'État est constitué de population, territoire et ensemble d'institutions. Mais la population lui-même est toujours campée pour défendre tête li, défendre Katiel. Ça qui se passe lundi dernier dans Vivi Michel, ou quand imagine ou abdomi la kayo 4h30 terroriste envahi zone là tiré dans toute direction pillé boulé kaymoun et n'a profité saluer docteur Renan Charles Armstrong qui victime gan pile l'autre moun dans communauté a qui victime par fureur bandio et le n'ap tande barbecue qu'a parlé Moses cité non parce que li dit le porte-parole li dit le président et ensemble de terroristes qu'a fait fureur dans capitale là et un peu partout dans pays là m'a posé barbecue question pour mandel est-ce que c'est moun solino c'est yo qui oligarque là m'a mandé barbecue malheureux malheureuse qu'a vivre dans Vivi Michel qui fait effort pendant 10, 15, 20 ans pour construire Kayo, pour arriver à bouler tout dernièrement, est-ce que c'est yo qui oligarque là? Je n'ai pas tout barbecue ou qu'on oligarque. D'ailleurs, c'était des amours, ils étaient financiers, ils étaient bon l'argent, ils étaient bonnes âmes. C'est eux qui étaient dit dans le temps. Ou qu'on Kayo. Mais pour qui ça, c'est moins, c'est où? Et l'autre monde dans niveau population qui a continué, sous prétexte ou a fait révolution? Non. Barbecue, le naptande ou nous, wow! Comparativement avec l'autre théoricien, articulation ou son monde qui plus ou moins montrait qu'on comprenne ce qu'on fait. Mais l'autre concept, l'autre concept révolution, ou pas capable aussi galvauder comme ça, il n'est pas possible, il n'est pas normal. Comme. Est-ce qu'on pensait que monsieur, est-ce qu'on est capable de vivre un côté pour nous dire que, OK, révolution, oui, nous d'accord? Que gen bagay qui mérite changer mais pas j'en va faire là est-ce que est-ce que nous capable dire comme ça oui nous capable dire comme ça parce que par rapport à ce qui a passé là en pile voix levée pour dire pour qui sont pas tourner zam sa yo sous monde qui te kon baou yo dans le temps mais c'est pas ça barbecue a fait là qui ça moun solino gen pour wè avou ou touye ou boule kayo moun belè un peu partout qui ça qui ça au fort qui ça au gain pour avoir l'a ap dénoncer oligarque de monde qui te konn bon l'argent de monde qui te konn bon zam pour peut-être consolider et permettre yo toujours reparaître sous scène politique là m'pa quoi c'est moun ça qui en a faveur ou konn oligarque yo barbecue je dis m'prend courage avec deux bras pour m'font ti parler avoir ou ka remarquer l'état pa gain force pour goma avoir ou cap remarquer population pa gen force pour gouma avoir même s'il font bec hier ou fait plusieurs tentatives déjà pour prendre palais national là mon cher prend palais prend primature bay population chance pour vivre pour le cavaque occupation malheureux malheureuse cap vivoter yo pas responsable yo pas gagné absolument avoir ou sent ou gen force ou puissant occupé par les nationales là, monter gouvernement et puis bah nous chance pour nous vivre, n'a pas obéi à Caprissou et à Claude, parce que nous ouais l'État, à l'exception de yon frange moins d'une dans l'État qui c'est population cap veille pour défendre tête li. Alors pas population, alors gen population tout mais gen frange, ben, par exemple gen frange dans institution yo qui montrait volonté yo, qui commençait à montrer une certaine volonté pour couper ça qu'a fait là mais dans le temps c'était laisser aller et même frange ça dans l'état à tout il y a de gros problèmes à l'exception de questions moyens il a demandé pour rendre plus efficace et professionnaliste mais en dedans il y a un problème là joindre de policiers
qui yo même de connivence avec bandi. Ben m'explique un bagage Wendell, ça qu'a passé sous les Hogan, un homme qui besoin venir Port-au-Prince. Hervé Saint-Illus, monsieur qui c'est un secrétaire d'État d'alphabétisation, monsieur t'a parlé dans le point avec Wendell Théodore Métropole, ça me paraît important pour nous entendre monsieur parce que là je dis en la situation est vraiment vraiment compliquée. Faut nous entendre ensemble d'acteurs sabbiques et moi-même. Va approche pas maintenant, mais fondé des messieurs. Et il va me donner avec Hervé Saint-Illus par rapport avec ces choses. Ça qui a passé sous les Hogan, un homme qui besoin venir Port-au-Prince. Gon zone y aurait les dégâts. C'est les mêmes populations utilisées parce que depuis après un certain temps, il pas cap fréquenter route nationale là. Est-ce qu'on connaît des policiers en fonction qui a traversé machine pour bandit? Parce que l'autre trouve une situation, quatre postes de péage, ou fin payer premier poste de péage là, l'autre poste de péage pour éviter ou pas payer ou bien pour pas prêt à fort, chef bandit sa yo, eh bien yo fait accompagner de policiers sous motocyclette pour traverser pour éviter ou pas victime. Donc ça veut dire que les policiers cap travaillent avec bandit, qui c'est des employés de bandit. Des bandit. Sout des gants de Léogan pour permettre d'entrer Léogan et permettre de river comme faut. Qui est-ce qui paye les policiers au Guinée? Bandi. Bandi ça au paye. Bandi qui paye. C'est débat documenté, vérifié, Wendell. Documenté. Non parce que il y a information. Attendez, on peut comprendre par exemple que il y a des bandits là qui a vendu munitions, qui deux mèches avec bandi, cap informé bandi tout de le patrouille privé, de les chars arrivés. Bon, par exemple, n'est qu'à comprendre ça. Mais de là, comme patron, a peur et KPO pour permettre, pour empêcher que circulation faite, trouvez que c'est un peu absurde. Non, ou pas cap dire l'absurde. C'est une vérité de la police et c'est vu et sûr. Pardon, je ne vais pas expliquer. Oui. On a l'épiglou pour nous dire. Ça passé le 10 mai et au cours de l'année 2024 là, dans Gressier. Quand on a dit ancien inspecteur divisionnaire Donald Coutard, pas grand pile pour louer la donne. Le nan vendredi, monsieur dit, policier yo, l'a déplacé madame ni a petit dit, et de fait, il déplacé yo, il prend pi bon zam yo, ak machine la police, l'en mette dehors, et puis bandit envahit sou. Non, mais tu as dit que faut le protéger madame ni, on nous ka comprendre ça. Pas aucun problème, mais monsieur pat là sur le front. Policier fait toute nuit lan, oui, avec leur meg moyen à goumen pour défendre les communes nan. Malgré au mandé renfort, au mandé bakop, pas arrivé à temps, yo fait tout ça, on est capable. Eh bien, inspecteur divisionnaire ça il gagne compte pour le rendre. Une pensée inspection générale de la police t'a supposé reler Donald Coutard. Oui mais ça va veut dire que ça va dire que le complice d'accord avec Google 40 compte Donald Coutard il a posé la question mais nous pas qu'à courir accuser dit que les coupables et moi il dit oui ou doit dire lui moi mais pas dire là comme ça Donald Coutard a deux bagages pour le faire pas jamais suspendre cité non monsieur dans ça qui a passé dans Grissier. Je ne peux jamais suspendre cité non, monsieur. Il y a deux choses pour le faire. Je parle avec deux amis qui sont amis, monsieur, qui m'ont demandé pour me rencontrer avec monsieur. Je ne dis jamais. Je ne suis pas dans la caravane qui a touché sur route Grécie avec Donald Coutard. Quand je vais le faire rencontrer là, ça me va le dire avec elle. Je ne suis pas dans la caravane avec elle. Monsieur, il y a deux choses pour le faire. Pourquoi on a fait ça là? Il exige un droit de réponse. Bon, radio a décidé, la télévision a décidé. Non, mais son droit que le gagne. Pas aucun problème. Depuis ou accusé. Wabali. On avance. Il y a deux bagages pour le faire. Comme ma vive le Hogan, si ensemble allégation me fait là, il estime me fait mentir sur lui, là, il aime la justice. Ma paré avec toute population et Grecia pour aller la justice. Deuxième bagaille pour le faire, comme ma vive dans les organes, ce soit monsieur VM pour le tout, et s'il est capable. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. De nègres dans l'institution policière, mettez-vous avec bandit contre population. De nègres dans certains gouvernements, mettez-vous avec bandit contre population. De nègres dans le niveau secteur privé, mettez-vous avec bandit contre population. De nègres dans l'église, mettez avec bandit contre population. Ma profite, vous voyez. Parce que par exemple, salutation pasteur Malouim quoi. Et pasteur, pas inquiétonnant, ouais là, ou sous bonne voie, poussez, prêchez parole là. Nous avons. Qui parole?
Bon, monsieur même j'avais a dénoncé pas les bandits, dénoncé les terroristes. Ça qui a passé là. On a outouillé moun tout côté. Ou voler bagay moun, ou piller bagay moun, ou tirer sous avion. Jean et Pierre Espérance dit là, c'est acte terroriste pur qui a passé là. Mm-hmm. Et c'est réseau ça que fait m'dou, on ne négocie pas avec les terroristes. Mm-hmm. Pas négocier. Moi ouais, au commencement au saluer, non seulement saluer mon Léogane, mon saluer Bessapto pour qui ça. Est-ce que qu'on rôle que jouer non, aider nous combattre l'insécurité. Oui, je profite de saluer la base de l'armée d'Haïti. Je m'ai demandé moyen pour eux parce que yo tout tourné. Oui, yo tout tourné. L'armée d'Haïti ou même Bessap? Base là. Je suis venu sur Bessap là. Base l'armée d'Haïti a gagné dans l'entrée de l'organe. Yo tout tourné. Parce que là, si on attaque tout bon vrai bandit, on a déterminé, on pensait que militaire n'est pas prêté comme ça. Mais pour raison ça, on pensait que c'était important pour au moins gagner deux blindés. Ma privé sous Bessap là, qui sous route nationale là, le gars de situation, M. Damio, yo campé pour défendre la ville de Léogane. Bravo pour M. Dam Bessap yo. En dépit de tout problème, de tout reproche ou café, et c'est pas mission Bessap là, ça l'a fait là. C'est question air protégé de bail comme ça. Mais le fait que yon absence dans l'État, ou non l'État moribond, ou l'État colliquide, eh bien, dans situation ça, tout coûte mais. Quel que soit secteur kabay, pour aider la population, pour aider le pays, nous battons bravo pour ça. Vous parlez tout de monde mystique, yo. Oui, parce que il y a des bagay me connaît. Exemple. We are one of. Aïe. Hervé Saint-Illus avec l'avancé sérieusement là, dans la question ça, parce que là, l'important pour nous connaître un tas de vérité dans la question qui est pour avec les affaires et insécurité qui passe dans le pays et ensemble de misère qui passe dans le pays, souffrance, non. Li vraiment, vraiment, vraiment bas problème. On nous continue avec Hervé Saint-Illus, qui est même capable. Oui, parce que il y a des bas me connaît. Exemple. Aïe, aïe, aïe. Léogane pas une petite ville, même j'ai avec toute l'autre ville, avec la reine d'Anacaona, livre dit ça, livre dit, il y a un pile monde dans le secteur mystique, là, qui c'est de malfaiteurs, mais il y a de monde dans le secteur mystique, là, qui c'est de bon monde. Qui... Donc c'est François ça qu'on remercie. Oui. Parce que gagne tout, parce que gagne tout. Qui ferme les organes. Parce que gagne, ok, on a tout notre fermé. Parce que gagne qui dit, gagne monde qui dit que il va prendre balle et pendant qu'il va prendre balle, non, c'est Jean Bédlo pour aller chercher mettre balle sur lui pour faire pas prendre balle et c'est même monde mystique ça qui a oui, qui a arrangé. Oui, c'est vrai, même apprend et frange et scène et dans mystique là qui campé bonne population pour aider empêcher bandits continuer faire ensemble d'exactions à faire là. Parlez-moi de Hervé Saint-Illus, parlez-moi de encerclement. Comment on encercle Léogane là? Bon, mystiquement Léogane son ville qui encercle sinon par rapport à de menaces bandits a fait penser au taper rivé déjà. M'pape dit oui, mais c'est pas la... côté, l'autre côté rivé. En dépit de la police là qui est-ce là, qu'on pense, même, que mystiquement non, ça m'a dit à me connaître mais est-ce que Léogane a les pieds? Non, pas force au débat pas au pas droit dit tout, vous comprenez? Mais si Léogane encercle pour que ça font parisien pas pour que ça quoi des bouquets pas protéger tout pour que ça gantier et que monsieur anéanti Torcel on pas parler de zone ça moi m'a parlé de ça me connaît de Léogane sous la ville de Léogane. OK, donc Léogane oui mystiquement bois des bananes. Oui, mystiquement il protégé. Mais nous t'as supposé bah la République un bon coup de main dans ce sens ça et oui. Et pas moi non. Mais comme si on connaît. Si on connaît. Vous dites là au con ça va parler. Oui, moi ça m'a parlé. Moi connais et participer dans deux bagages qui fait pour et ouais qui gagne rapport qui gagne à question ça pour empêcher société secrète. Non bah non bah société secrète mais j'ai de bail tout le monde connaît que qui fait en pour... public en public qui fait en public. Oui mais on le ouais bon on quitte le sujet ça parce non, que non, là... non attendez bon je bagage parce que besoin connaît. Non et pas bah, curieux c'est travail à faire parce que écoutez c'est même j'aime dans nos confrères Abdi dans radio pour qui ça des bandits capables pas prendre balle. Pour qui ça? L'État va engager une équipe qui a fait policier, nous n'avons pas pris balle tout
Nous avons armé de policiers qui ne prennent pas balle. Et puis maintenant, nous sommes capables de faire face. Il y a des policiers qui ne prennent pas balle. Ça, c'est le travail policier. Et pas oublier, dans la police, là, il y a plusieurs fractions. Il y a des policiers qui ont fait la police, ça crée les institutions de la police. Il y a des policiers qui ont fait ma police ou leur police à leur manière. Mm-hmm. Et il y a des policiers qui ont fait le police en dans la même institution. Ça. Donc, le a toujours péjoratif. Oui, oui, le péjoratif, mais de ne qui est dans la police, là, qui a fait information, qui a fait formation pour deux bandits, donc, ça, c'est le police. Considéré, c'est le police. Non, ok. Bon, maintenant, Hervé Saint-Illus, nous pratiquement fait. Nous pouvons faire le tour de la question, mm-hmm. mais nous avons dit un pile bagaille là. Sauf que, nous pouvons sentir que nous sommes sur route pour dégager l'horizon, mm-hmm. tout bon, pour que la paix retourne. Si nous avons une équipe bon Léogane, qui possibilité gagne pour nous reproduire dans n'importe quel point où, par exemple, pour nous capable de traverser facilement, je dis, je ne vais pas traverser la ville là, pour comme ça, je vais traverser Matisse, je ne vais pas prendre une chance. D'accord. Mais les organes différents de capitale là, et. Configuration, vous voulez dire? Oui, les différents. Et en fond, était sous la commune de Port-au-Prince, il y a 3 circonscriptions. Et la 3e circonscription, depuis plus passé 3 à 4 ans, il est assiégé. Il est perdu. Il y a 3 groupes bandits qui ont goumé là-dedans. Ou bien M. Crélé-Tête-Li Isoa, ou bien l'autre la Crélé-Tête-Li Etilapli, et l'autre la Crélé-Tête-Li Chris là. Il y a une crasse complexe situation dans Port-au-Prince. Mais il y a résolu. Moyennant, ils ont certaines volontés. Mm-hmm. M'a profité tout occasion pour me dénoncer l'Occident. Parce que ça qui a passé là, les États-Unis ont un pile pour louer la donne. Ça qui a passé là, la France, le Canada ont un pile pour louer la donne. Et la population a un bon mandat pour me parler avec Joe Biden, président américain, même s'il en fin de mandat. La population dit Joe Biden est trop hypocrite. La population dit président français Emmanuel Macron li trop hypocrite. Population dit premier ministre canadien Justin Trudeau li trop hypocrite. Est-ce que Haïti obligé rete collé nan dingon les États-Unis, le Canada et la France par rapport à forme de coopération et zamitay que y a offri pays a? Bon pa quoi? Bon font ti campé ou? Moi pas dire rien haïtien que l'autre boy k'ap voye zam nan vin la. Moi, pas dire rien à tout gauche à bras qui passe dans le pays, dans tête pays, en tout qui a commencé à même pas défendre l'Occident, mm-hmm. avec ça, mais on fait pas la globale, on fait le général. On dénonce tout le monde qui mettait pays d'accord. dans sa lié là, exact. Y compris gang à sa patte, mm-hmm. dire, et gang à cravate. Okay. Donc, sauf elle, un seul côté, non, non seul sens. Si t'es malé, on allait. M'a profité pour nous dire, génération 1986 là, les complices dans toute sa nappe vivent, je ne veux dire. Exactement. Mm-hmm. Exactement. Exactement, Hervé Saint-Illus, parce que ces conséquences de mauvaise gestion de la dernière année, ça, yo, ça, je te dis, monsieur, je te dis. Et on avance avec Hervé Saint-Illus toujours, puisque là, nous avançons sérieusement avec Hervé Saint-Illus, qui va avancer avec nous là. Et on va avancer là avec Hervé. Les complices dans toute sa nappe vivent, je ne veux dire. Mm-hmm. Après. Le départ de Jean-Claude Duvalier, 7 février 1986, même si tu es venu CNG, ouais, après venu coup d'État, mais majorité monde qui occupait espace public yo, ou espace politique, yo, c'est le monde qui fait partie de génération 86 ans, et c'est eux-mêmes qui dans toute combine avec l'Occident, avec des Haïtiens, j'en suis dit, là, qui vivent à l'étranger, qui permettent pays à la situation qui est liée, je ne veux dire. Donc là, on finit dans la dénonciation. Oui. Maintenant, qui ça nous doit faire pour nous ramasser caractère, nous connaissons là, pour nous dire que Haïti, pour Haïtien, Haïti, pas pour l'Occident. Maintenant, qui ça nous capable de faire? Okay. Haïti ou Haïtien, nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Nous ne pouvons pas du tout empêcher question de coopération avec d'autres pays. Mais là, nous pouvons faire interrogation sur comportement l'Occident, même si effectivement ils ont utilisé nos compatriotes haïtiens pareil nous pour mettre dans la situation ça là en fond viré garder ça qui a passé en Afrique avec le jeune président Ibrahim Traoré. Mm-hmm. Comportement monsieur
décision qu'il prend, même si effectivement son coup d'état le bail pour ouais gérer bagay ou on l'autre gens ou ouais hein. On sorte de développement. Oui, mais population de elle. Oui, fan, d'accord oui, très avec bien, ça. Oui, très bien. Mais est-ce que nous pas qu'à faire partenariat et des accords avec Ibrahim, avec la Russie et Vladimir nous Poutine, problème. Avec et président la Chine et est-ce que c'est pas parce que nous trop hypocrites, nous trop traîtres? Oui, c'est vrai. Nous trop traîtres, oui, nous trop lâches. Est-ce que c'est oui, pas c'est ça? Vrai. Et parce que tout, il y a des gens qui fait beurre dans la situation que pays a yé. Oui, mm-hmm. D'accord. Ils ont fait beurre dans la situation que pays a yé. Et c'est pour raison ça nous dit, faut qu'on combat qui engagé pour l'émergence d'une nouvelle classe d'hommes et de femmes sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur le plan économique, ça n'a pas dit là qui a campé devant l'Occident pour dire non, forme de coopération, ça n'est pas normal. Qui a dit c'est de nouveaux interlocuteurs valables, qui a parlé avec Vladimir Poutine, qui a parlé avec Ibrahim, qui a parlé avec l'autre pays pour demander d'autres coopérations pour qu'aider une sortie dans sa là sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel et sur tout l'autre plan. Yo, parce que à une certaine époque, on s'en souvient, Haïti, nous qu'on a fait le son pour le Canada. Mais je dis, ils n'ont pas respecté. Nous t'es occupé la République dominicaine. Je dis, regardez ce qui a passé avec Haïti en République dominicaine. Est-ce que le possible? Il n'est pas possible, il n'est pas normal. Nous avons besoin de femmes et garçons qui ont tempérament et caractère pour venir occuper l'espace politique là et permettre de donner pour changer. Mais si c'est le monde qui continue à gagner oui, des énergumènes, le pays n'a pas fait, on ne part en avant. Il y a des gens qui ont dit comme ça, côté nouveau monde qui a passé pour arriver sous pouvoir, parce que le système est toujours là. Oui, le système est puissant. On peut entrer là-dedans et pour prendre forme base là, son pas. Malheureusement, et on s'en souvient, élection 16 décembre 1990 avec Jean-Bertrand Aristide. Aristide a deux pôles. Mais population massée d'elle, même s'il vient prendre coup d'État, et même pendant coup d'État, où est population campée par rapport à un participation Aristide dans l'élection, qui te gagné Mac Bazin, ouais, pendant coup d'État, moun défend le régime, m'kap di Jean-Bertrand Aristide là, qui peu après, effectivement, j'en dis là, ouais, prend lavage et. lavage là. Lavage cerveau non, mais l'Occident. Et puis. Il va s'amener d'où non, il m'a dit lui. Ah, bon, okay, et puis, il ouais, bah, ouais. Il a changé. Mais, moi, je suis très optimiste que le pays a le cap changé avec des hommes et des femmes qui ont compétences, qui ont caractère, qui ont volonté. Et je suis dit pour faire question. Bon, évidemment, l'avenir n'est pas dans mes noms, dans mes jeunesse, la jeunesse. Jeunes, une génération de jeunes, moi cap monté là plein de fougue et avec un pile vision, bonne volonté. Maintenant, mais bien jeune avec jeune et moi-même me fait expérience avec une équipe jeune et dans génération 2004 là, grand pile dans nèg là qui passé sérieux. Ah ben évolué. On moi rien est statique. Nèg dans toute qualité combine. Tout est dynamique, il y a toute qualité combine. Non, il est pas possible. Oui, d'accord. Non, même ça nous parlons de jeunes, ça y est, c'est avenir pays, y c'est présent pays. Moi-même ça, ma vraie dire, c'est que j'ai un pile qui parle avec moi et j'ai un pile que je souhaitais faire passer là sur le plateau. Très bien. Pour que au moins haïtiens ouais que gain de jeunes monde formés qui gagnent de bonnes visions, visions pour pays et ont pas senti que c'est des monde qui viennent qui envie pour profiter de l'occasion. Non, non, c'est des monde qui gagnent des idées, ils disent que tu as même bagage au changer. Voilà, et ben c'est masse critique là ou appé c'est ouais, changer paradigme pour d'accord, c'est bien. Maintenant, en donnant ce qui s'est passé hier soir et en fait hier là. Plusieurs bandits tombés. Est-ce qu'il y a de quoi se réjouir le fait que un peu le monde mourit? Est-ce que le patap plus est-ce que pas la plus sage, sinon tout le monde sait que Montréal est un peu plus fort là-dedans pour faire bail des informations de préférence qui te permettent de monter, déraciner. Oui, c'est vrai, mais si vous pas de passer, c'est nous qui t'as passé. Your. On a toujours avec cette cellule qui lui-même n'a pas avancé, il est toujours dans le cadre d'interview ça. On regarde avec cette cellule, on regarde avec lui. On garde avec lui là toujours, Hervé Saint-Illus. On avance avec lui.
en garder avec Hervé Saint-Silus lui-même. OK. Ciné. Oui, c'est vrai, mais si vous pas de passer, c'est nous qui t'a passé. Si vous pas de passer, c'est mon Pétionville qui t'a passé, c'est mon canapé vert qui t'a passé. Très bien. Que vous passez. Et je suis tant de Pierre Espérance disant bagarre là, m'a prêté. Ensemble de nek qui travaille avec chef bandio, je suis au prendre conscience. C'est pas que je suis à la Kaili, là moi je suis à la Kaili. Izo chita la Kaili, la boue éclairin. Et puis le voué soldat à le faire des autres, c'est eux qui ont mouru. Je pensais, même Jean Barbecue, il y a des gens qui ont demandé pour Barbecue, virer Joel Fusia sous oligarchie, moment arrivé pour que soldat vire Joel Fusia sous chef terroriste. Parce que le gen balle là, c'est eux, le gen boule là, c'est eux, le gen caoutchouc là, c'est eux. Je pensais, événement qui passé hier là, a porté à la réflexion. Et réflexion, ça fait, premier monde qui a mouru, c'est eux-mêmes. Et eux-mêmes, ils ont fait ce que de droit, parce que le pays n'a pas continué à vivre dans cette situation. Ça. Et non, dans le moment même que nous avons parlé là, il semblait que y a des bandits qui se sont entrés dans l'église au niveau de Nazon, ils ont kidnappé un pile dans le monde qui était dans l'église. Ça n'a pas étonné. Et matin, ça n'a oui, pas étonné. Et mon monde, hier, ils ont kidnappé, je ne vais pas citer non. C'est écœurant. Donc, vous pensez que c'est bon, ça a vraiment semblé que c'est une démarche de représailles. Oui, mais, bah, porte-parole là, président, vivant ensemble dans le président terroriste dans le palais, et le palais, tout le monde doit prendre le mot, et effectivement, le dit de bagaille, il va le faire, il arrive à faire. Et ça que fait hier là, il a annoncé. Heureusement pour la population, heureusement pour la police, moun yo te sous gardio, et puis bagay la l'passe, j'en ou elle passe ya. Et s'il pas de passe, j'en le passe ya, eh bien c'est population qui t'a pas le payé pour casse ya. Bravo à la population, bravo à la police, kembe la, parce que c'est nous pour défendre tête nous, c'est nous pour défendre Katienne, et directeur général là, te mandé mariage, la police, population. Ma profite dit DG, mariage, la police, population, c'est bien. Mais nous sommes mariés déjà avec la police. Le donné a changé. La police ban gaz, yo ban bal, yo ban bâton. Nous avons souhaité fois ça, son mariage qui fait pour toute une éternité. Pour qui ça d'abord même pour mes opérations Bakaïli à décamper? Pas vraiment une bonne idée, mais sauf que peut-être pas de occasion pour te permettre de refaire surface. Et je ne veux dire pas. Mais il était commencé, étonné. Oui, mais il y a des gens qui critiquent elle, et il y a des gens qui battent bravo pour lui. Et c'est peut-être des deux événements qui partent à grande envergure qui fait Bakaïli a pas refaire surface. Mais là, côté où elle paraît, il y a là, pas grand cacapel. Sauf que, on a demandé, il faut réouel, faut corriger. Pour permettre de toujours exister. Parce que son remède, oui, à terroriste, Bakaïli. Alors, comme c'est nouvelle que nous avons, et par contre, ce qu'on a l'église là, c'est l'église l'Union Baptiste de Nazon. Et pas ça qu'on fasse, n'a comme DEA. Par contre, c'est ça. Bon, vraiment merci avec chaque grain de monde qui t'a suivi émission ça. Et avant même de venir avancer, en entendant des ambassadeurs Antonio Rodrigue dans les Nations Unies, qui a même parlé de questions et police Kenya qui n'est vraiment pas capable de résultat avec question insécurité qui est là dans le pays. Entendez ambassadeur Haïti dans l'ONU, Antonio Rodrigue, qui a même parlé dans la séance publique ça que le conseil a été organisé dans la journée qui était exactement. qui était mercredi 20 novembre 2024, l'an internet. En compte des récents développements de la situation sécuritaire dans la zone métropolitaine de la capitale d'Haïti, je remercie M. Djenka, Mme Juma et M. Cohen pour leur présentation. Je suis également très honoré de la présence du Dr William Pape, une référence en matière de traitement des maladies infectieuses en Haïti et dans le monde, qui nous a fait un témoignage poignant de ce supplice que vit la population haïtienne soumise à la violence des gangs armés.
Monsieur le Président, c'est avec une profonde gratitude et un sens de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de cette importante réunion du Conseil de sécurité sur Haïti. J'ai été frappé par cette grande convergence de vues qui caractérise les différentes interventions sur la meilleure formule de faire face aux nouvelles situations qui se développent dans le pays au cours de ces derniers jours. Je vois dans les nombreux commentaires formulés par les membres du Conseil une volonté de trouver une fois pour toutes des éléments de réponse appropriés permettant de contribuer à résoudre de façon durable cette crise multidimensionnelle qui ronge le pays. Cela traduit une compréhension sincère des aspirations et des besoins du peuple haïtien. Monsieur le Président, depuis le début du mois de novembre, Haïti vit une situation extrêmement alarmante. La situation sécuritaire dans la capitale s'est profondément détériorée. Les gangs armés ont lancé des attaques dans plusieurs zones qui jusqu'ici étaient épargnées. C'est le cas de Canapé Vert, Bouvdon, Musso et de Pétionville dont ils ont tenté de prendre le contrôle. Les bandes armées deviennent de plus en plus violentes et audacieuses et ils opèrent sans crainte ni retenue. Ils commettent des exactions terrifiantes, meurtres, enlèvements, viols et incendies de maisons. Des enfants, des femmes, des hommes sont pris au piège de cette violence aveugle. En réponse, des milliers de familles fuient leurs maisons, laissant derrière elles toute une vie par crainte de devenir les prochaines victimes. La population vit dans un état constant de peur, confrontée à une violence qui ne fait qu'empirer chaque jour. Le principal aéroport international de la capitale est fermé, causant la suspension des vols en provenance et à destination de Port-au-Prince, en raison du fait que certains transporteurs aériens ont été touchés par des balles tirées par les bandits armés. Les images des habitants de certains quartiers, comme Solino, Nazon, Crissois et Delma, pour ne citer que cela, fuyant leur domicile, sont touchants. La police nationale d'Haïti et les forces armées déployées, malgré leur courage et les moyens mis à leur disposition, ne parviennent pas à repousser l'avancée des bandes criminelles qui sont mieux armées et en plus grand nombre. La mission de support à la sécurité présente en Haïti, bien qu'animée de bonne volonté, connaît des défis de taille évidents. Les ressources financières, humaines et logistiques actuelles sont nettement insuffisantes pour répondre à l'ampleur de la menace. Les promesses de la communauté internationale sont restées en grande partie non tenues. Les quelques 430 soldats déployés sur le terrain restent largement insuffisants pour une situation d'une telle ampleur où plus de 2500 troupes seraient nécessaires pour contenir l'avancée des bandes criminelles. La terreur engendrée par cette violence nous oblige à reconnaître une réalité insupportable. Haïti a besoin d'une aide robuste et soutenue à la hauteur de la situation à laquelle elle est confrontée. Cette situation alarmante nous interpelle sur la nécessité de solliciter la transformation de la mission de soutien à la sécurité MSS en une mission d'opération de maintien de la paix des Nations Unies, telle que l'a sollicité le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Leslie Voltaire, dans sa lettre adressée au secrétaire général. Une telle transformation garantirait une mobilisation plus importante des ressources, un mandat plus robuste, une plus grande participation du pays et une meilleure coordination internationale pour restaurer la sécurité et rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Une mission de maintien de la paix fournirait aussi à Haïti le cadre nécessaire pour désarmer ces groupes armés, rétablir la paix et la sécurité, restaurer l'état de droit et permettre à la police nationale d'Haïti de se reconstruire. Elle enverrait également un message clair à ceux qui propagent la violence, c'est-à-dire la communauté internationale est déterminée à soutenir le peuple haïtien dans sa quête de sécurité et de justice. Il ne s'agit pas uniquement de restaurer l'ordre public, il s'agit de préserver... Avec Antonio Rodrigue, nous allons avancer toujours avec lui pour nous capables de garder exactement Antonio Rodrigue. On va avancer avec Antonio Rodrigue, qui est même ambassadeur pays d'Haïti dans les Nations Unies.
qui était pas la parole dans l'occasion ça en avance avec Anthony Odilian, pourquoi que vraiment important pour nous avancer. Humaines, de reconstruire des institutions démocratiques et de redonner espoir à toute une nation. La sécurité est le socle sans lequel aucun progrès durable, que ce soit économique, social ou politique, n'est possible. Haïti se trouve donc à la croisée des chemins. Soit la communauté internationale apporte un appui conséquent, ou soit le pays, soit il laisse le pays sombrer davantage avec des conséquences qui s'étendront bien au-delà de nos frontières. Cette demande est soutenue par la CARICOM et l'Organisation des États américains, cette dernière ayant adopté récemment par son consensus une résolution appuyant la transformation de la MSS en une mission d'opération de maintien de la paix, tout en insistant sur l'importance d'une aide internationale continue pour restaurer la paix, l'état de droit et la démocratie en Haïti. Ce soutien est crucial non seulement pour la sécurité immédiate, mais aussi pour garantir la stabilité à long terme du pays et de la région. Nous remercions ces deux organisations pour leur engagement dans la recherche d'une solution durable à la crise haïtienne. Cette nouvelle mission d'opération de maintien de la paix dans le pays aura à fonctionner en tirant des leçons du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs de la MINUSTAH. Nous invitons aimablement le Conseil de sécurité à prendre cette décision qui soit à la hauteur des enjeux du moment dans le cadre de ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale et montrer au peuple haïtien que la communauté internationale reste fidèle à ses principes de paix et de sécurité. Ensemble, nous pouvons inverser le cours de cette crise et faire renaître l'espoir. C'est le vœu du gouvernement et du peuple haïtien. Monsieur le Président, en conclusion, Haïti est à un moment critique de son histoire. L'inaction ou une réponse insuffisante risquerait d'aggraver une situation déjà désastreuse. Le Conseil de sécurité a l'occasion de démontrer sa capacité à répondre aux défis mondiaux les plus pressants en agissant avec détermination et solidarité. J'exhorte donc les membres du Conseil à répondre favorablement à l'appel du gouvernement de mon pays et à transformer la MSS en une mission d'opération de maintien de la paix pour le bien du peuple haïtien et pour la stabilité de notre région. Merci tout le monde. Nous avons continué à journée avec le collaborateur Desi Venesse pour nous continuer à informer nous de ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Bonjour, bonsoir à toute la famille, amis internautes qui connectent mes sacs nouvelles dans le moment. Plaisir qui est content pour nous capables de porter nous et tranche nouvelle sage dans toujours dit. C'est quoi le grâce avec confrère et concerné dans la voix d'Amérique qui pral détailler le banou. Pendant que nous avons avec chaque amis qui pral cadre et puis tendre tranche nouvelle sage sur mes sacs nouvelles en nous like, en partage, en quitte en commentaire. Et si nous avons tombé sur média ça, qui c'est mes sacs nouvelles, abonnez avec les pour nous qu'a grandi communauté. Mes sacs nouvelles là. Laissez-moi dire nous que gagne conseil sécurité Nations Unies qui a réuni mercredi 20 novembre 2024 l'an ben sur dossier haïtien n'a rappelé ces pays la Chine ak pays la Russie qui doit veto qui était convoqué ben l'autre pays membre conseil sécurité Nations Unies dans réunion ça et séance de travail ça sous dossier haïtien mais pour vraiment gagne ça sorti pour nous connaître et qui ça qui décidé bon côté conseil sécurité Nations Unies et bon côté pays qui doit veto mais pas oublier que pays Équateur ak États-Unis ou même t'es déjà mais fait demande à bon côté et pays membre conseil sécurité Nations Unies et qui doit veto pour te garder comment capable permettre que transformer mission multinationale soutien sécurité haïtien à une mission maintien la paix mais yon première décision première demande qui te prend bon côté et bon côté Équateur ak États-Unis mais que pays la Chine ak la Russie t'es rejeté t'es voulu jeter. Et jeudi mercredi 20 novembre, c'est au même pays la Chine et la Russie qui décide de convoquer les pays qui doivent veto et pays conseil membre sécurité des Nations Unies sur le dossier Haïti. Est-ce que il y a possibilité pour que mission multinationale soutien sécurité à Haïti est à transformer en une mission onusienne maintien la paix que nous pouvons connaître, mais jusqu'à présent c'est ça et bien qui a discuté là entre pays membre conseil sécurité des Nations Unies. La canon Haïti nous parler là dans différents
côté, surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Après que nous connaissons divers côtés en pays, surtout en Canapé, Vert, Boudon, La Lube et Pétionville, mais te connaît une journée tension panique, journée qui était mardi 19 novembre 2024. Dans côté, et ben nous connaissons gagné plusieurs jeunes garçons qui étaient dans plusieurs machines, mais qui t'a arrivé intercepté par la police nationale d'Haïti et population civile dans différentes localités, ça comme société là yo, ils étaient décidé mobiliser pour être capable mais mettre avec la police pour être capable contre carré action ZFICO. Mais n'a dit que non machine ça que la police a été couru derrière individu ça yo, la police a récupéré plusieurs armes en dans machine ça, plusieurs cartouches différents calibres, drone et mais en pile matériel que négoté gain dans machine là. La police crive saisi yo et pour qu'on y a mais gagné en dit l'autre travail d'enquête d'opération que la police continue à mener même avec la population dans la zone Sayo, zone Canapé Vert, zone Boudon, zone Pétionville, par rapport avec la sacrivé, journée mardi 19 novembre 2024. L'an. Et n'a dit comment ça est pour journée mercredi 20 novembre. L'an. Est-ce que zone Sayo levé avec un peu de pression, avec un peu de suspense? Nous capables de dire que zone là, le Boudon, Turge, Debussy, Canapé Vert, mais zone Pétionville, le levé avec un peu de suspense, puisque habitants dans la zone Sayo décidé eux-mêmes. Pour yon dit que yon pape quitte bandit vivant ensemble li même, vin commettre action criminelle sans froid ni loi sou yon, et ça fait yon décide dans façon par pour yon capable continuer yon même, mobiliser contre individu armé qui décide, et bien prend pays à en otage, et décide faire de action malhonnête sur moun ka vive. OK, et qui vivent dans différentes localités en dedans, et le zone ça pas oublier, c'est plusieurs localités dans région métropolitaine Port-au-Prince non, mais qui sous alerte bandit armé criminel assassin ça yo, est-ce que yo pral river mais permettre que yo poser action que yo poser déjà dans Solino, dans Fond National, dans divers autres côtés encore, mais moun nan Canapé Vert, moun nan différentes localités di yo pas camper croiser bras yo, bay bandi éliminer yo. Mais qui en pile la leader politique qui ont même réagi après sa réveillant. Par exemple, gagné et dirigeant et RNDDH à Pierre Espérance, monsieur qui, eh bien, menté population pour être capable de continuer avec mariage police-population pour être capable de contre carré action gang criminel armé, selon Pierre Espérance. Et monsieur qui mandé tout jeune garçon qui est dans le groupe armé pour ne pas prendre aucun ordre non mais et chef gang yo cap mandé pour faire vie action sous population mais les que chef de gang yo ba ou l'autre ça de préférence que yo prend chef de l'autre ça yo porter ba la police pour nous citer pour répéter parole et dirigeant et RNDDH Jean-Pierre Espérance qui quoi que je dis la situation lui-même il arrivé trop loin et peuple haïtien doit capable comprendre et comprendre que je dis c'est eux même qui pour gommer pour retirer Haïti dans sa lié là et retirer peuple haïtien retirer tête yo dans situation qu'il trouvait journée jeudi. Et bien, Espérance, même beaucoup de parle, l'État fait croire que t'as gagné et 45 bandits qui mourent pour me répéter et citer parole Pierre Espérance, ok, qui t'a fait connaître que 45 bandits qui mourent et les mandats de population continuer kembe même mobilisation ça et là on prend on a tout fait une mauvaise affaire remettre li bay la police OK selon ça qui dit bon côté et Pierre Espérance qui est même et qui est même c'est responsable RNDDH dans question qui gagne pour avec ça qui gagne pour avec défendre trois monde gagne ancien PM Evans Paul qui est même des populations pour continuer mobiliser mais faut li éviter tout puis pas faire abus puis pas faire méchanceté nan sa yo les justice populaire qui ont déclenché dans différentes localités yo pour me répéter parole mais ancien PM Evans Paul sous dossier ça et gagné ancien PM Claude Joseph lui-même qui dit que jeudi aidé dans en face de potier si Paul Bay et si là qui déplacé forcé dans différentes localités que gang armé mettre dehors mais pour capable dit et ben Claude Joseph fait connait que situation ça n'est pas normal pour que peuple haïtien lui-même continue à connaître des situations très difficiles alors que autorité yo doit comprendre pour capable prendre toutes dispositions nécessaires pour capable arriver résoudre problème insécurité que Haïti a connait là par rapport avec la situation qui existait jeudi en dedans pays et jeudi a gagné dans question conseil sécurité des Nations Unies gain pays la Suisse qui dit pays qui dit avec pays qui dans conseil sécurité des Nations Unies mais
doit rester ouvert pour transformer mission MSSM nan, en Haïti en une mission maintien la paix. Jean Haïti mandé ça, cependant doit gagner la paix qui mandé tout prospect pour un avenir politique qui est stable. Ça veut dire pays la Suisse lui-même l'état mandé pour que mais pays qui gagne droit de vote dans conseil et sécurité des Nations Unies pour eux-mêmes tout être capable mais d'accord que pour transformer mission ça en une mission et Nations Unies parce que situation est même très compliquée et le quoi que je dis hein yo trouvé capable goumen et bataille pour yo ouais comment capable tabler une sécurité définitive dans pays d'Haïti selon ça qui dit bon côté autorité yo dans pays la Suisse qui ont même ses membres conseil sécurité Nations Unies dans dossier qui a passé en Haïtien journée jeudi hein amis internautes nous yo et l'a dit que dans dossier politique en bien jusqu'à présent là en pile secteur en pile acte a posé des questions est-ce que ça qu'a passé en un pays qu'il est vraiment y a arrivé résoudre par rapport avec la situation insécurité et problème violence qui vient là en deux temps pays et d'Haïti par rapport avec la situation violence criminelle gang armée qui décide pour payer ça en otage puisque jusqu'à présent là vraiment ou pas tendé position conseil en KPT hein ou pas tendé position gouvernement Alex Adjidj Fise m'a dirigé hein ou pas tendé position ministre justice hein ou pas tendé position de l'autre autorité ministre intérieur dans ça qui gagne là comme situation gang armé criminel notoire qui a menacé la vie chaque haïtien qui vive dans pays hein et même ta si la cap vive à l'étranger ou même tout yo sais yo pas à l'abri avec un niveau et on dit violence menace que bandi armé yo les criminels assassin a fait et ben dans pays contre moun qui eux même cap vive des situations tension panique en dedans pays zami internautes nous yo et ben en plus moun comprendre que je dis ça cap passer dans pays li mérité en pile question en pile action en pile vraiment volonté pour finalement y arriver résoudre dans situation insécurité que Haïti lui-même a connu à vivre journée jeudi depuis environ plusieurs années bien que on est clairement barbecue Jimmy Cherizé qui s'est parole et puis président vivre ensemble les fait qu'on est que vivre ensemble décidé d'ici 1er janvier 2025 près qu'il y a un autre président dans pays pour capable citer Jimmy Cherizé et comprendre je dis en plus mon a dit est-ce que pays lui-même l'a privé par livré par banek armé sayo qui ont même décidé fait ça ouvler en dans pays décider poser action ouvler décider mener pays d'Haïti et dans ligne côté même ouvler je dis peuple haïtien quoi que bataille pour y résoudre et freiner question insécurité hein lycée bataille chaque haïtien qui conséquent et qui croit que mais Haïti pas droit rester comme ça Haïti pas droit rester en bas mes criminels assassins sans foi ni loi qui ont même décidé les obligations ouvler façon ouvler pour capable même eh bien mettre pays à côté de la journée jeudi hein et qui en plus mon cap réagit avec parole et président pays la France Emmanuel Macron qui les même critiqué autorité haïtienne mais qui je dis hein même tout mené Haïti côté là et il même parlé de révocation ensemble de premier ministre qui passé là yo qui donc je dis hein et mais Emmanuel Macron président pays la France a fait qu'on est que li pas capable remplacer haïtien autorité haïtienne yo qui donc les mêmes ni quoi que c'est haïtien en soi qui pour goumen pour arriver résoudre question Haïti a connaissance je dis hein pour répéter président pays la France Emmanuel Macron qui même quoi que je dis hein et ben ça Haïti a connaît là li c'est exactement responsabilité chaque haïtien qui doit être et qui doit gouverner et de résoudre un problème ensemble des problèmes Haïti a connu la bonne cité répétée président Emmanuel Macron président pays la France et en pile voix en pile secteur continue à lever dans pays pour demander une chance pour Haïti parce que pays a pas capable encore avec un niveau violence insécurité grand goût qui est là par bon site dans pays et d'Haïti voilà messieurs dames point ça à quatre divers l'autre qui a fait essentiel notre nouvelle ça soumet cette nouvelle j'aime toujours dire grâce avec un confrère et puis concerné dans la voie d'Amérique. Déjà, bonne écoute tout le monde. Salutations depuis la capitale fédérale américaine en Washington DC. Merci de vous permettre de rentrer à la caillou pour une autre fois pour jeudi 20 novembre 2024. Là. Moi, c'est Jean-Bert Philippe, mes nouvelles. Le Cap domine l'actualité à Conseil de sécurité des Nations Unies réuni mercredi 20 novembre là, pour discuter sous crise politique là, en Haïti. L'IDG 20 qui réunit au Brésil mettait d'accord pour créer une alliance globale contre le gang et la misère en attendant yo jeune cause problème qui force les populations à quitter la caillou. En Haïti, la police des populations pour le bail force de l'audio information pour aider au combat les gamins qui s'y mettent dans la communauté.
En attendant, nous, jeunes collègues, nous, Valérie Saint-Louis dans New York, et bien Abdé pas avec Nouvelle-Lure pour nous dire que moi, mais passé, ancien président Donald Trump est condamné en bas 34 chefs d'accusation pour faux dossier business pour te cacher information qui te ka permettre les nan problème avant l'élection 2016. La condamnation était supposée pour après l'élection, mais qu'on est là, le président élu. Ça qui va le passer qu'on y a après a pas fin trop clair. Nous pas jouer gentil Augustin lui-même capsule de dossier ça pour nous et c'est un dossier que en plus mon a suivi là dossier et gentil. J'en dis à Valérie Jean-Aubert, c'est un dossier que en plus mon a suivi et en plus question continue à poser sous président élu à Trump parce qu'il était déjà accusé pour condamné pour 34 chefs d'accusation et qu'on y a l'arrivée président. En pile question à poser, est-ce qu'il y a quatre années, président Elia, la justice pour ta condamner, soit même pour ta prendre prison? Gain des professeurs, droit, qui t'ont essayé de répondre à la question, ça pour Mounio, nous allons regarder plus près. We're gonna fix everything about our country. Est-ce que président Eli Donald Trump pral condamné pour crime lié? Question ça rete pour répondre pendant juge état New York là. Juan Merchan a considéré circonstance extraordinaire yon ancien président américain a criminel condamné qui vin tout nouveau président. Nan mois mai, Trump te condamné pour 34 chefs accusation pour faux dossier business, pour cacher l'argent li te payé vedette film porno Stormy Daniels, pour pas parler sous scandale sexe avant élection 2016 là. Condamnation Trump nan kasa rele mystère. Te retardé plusieurs fois et victoire nan élection mois novembre nan, la gè plus doute sous procédé légal yo. En réalité, non problème non, c'est est-ce que a gain avancement dans dossier condamnation Trump là? Et ça t'avait dit est-ce que ça a fait avant les prêter serment ou bien après les fin entrer dans Maison Blanche là, ou soit s'il a juste rejeté dossier. Équipe défense Trump là mentionné que yon gros décision tribunal suprême là nan mois juillet passé by Trump immunité présidentielle et tout dossier ya t'a dû rejeté. Mais procureur district Manhattan, Alvin Bragg, mentionné que jury a été bayon verdict coupable avant décision tribunal suprême là. Et yon pat président nan moment. Nan yon lettre li te voye bay juge là, li te indiqué que procureur yo ta résisté à tentative pour rejeter dossier ya. Mais yo te vle pran plus temps pour décision sentence là jusqu'à ce que mandat yon pla fini. Si juge Juan Merchan décide li d'accord avec suggestion procureur yo comme une possibilité, le sa li ta engagé dans sa ki ta karele un retrait juste dans procédure à cause circonstance extraordinaire accusé a qui vient président États-Unis et puis li ta effectivement fermé dossier a jusqu'à 2029 le Donald Trump finiment d'aller. Dossier l'argent pour faire même bouche vedette porno a. Pas seulement problème président Elia a fait face. Avocat spécial Jack Smith te vini ak de l'autre dossier fédéral dans tribunal. Ki gen là-dedans yon akize. Dossier document classifié yo ak l'autre interférence élection qui pas bien traité ta capable suspend parce que yon ancien politique département la justice dit président sous pouvoir pas capable akize pour crime. Cependant, dans Georgia, yon dossier interférence élection pas tombé en bas juridiction fédérale. Techniquement, l'État de Georgie libre pour continuer sans yon pas empêcher politique département la justice là. Mais est-ce que les cas fait ça? Est-ce que c'est possible pour espérer que yon ta capable continuer et puis attendre Donald Trump à collaborer? Ça qui t'a réellement demandé pour Maison Blanche collaborer pour continuer à con jugement pendant que accusé à ses présidents États-Unis. J'en entendu là, jeudi à ce 20 novembre, rete exactement 2 mois pour Trump, investir Trump en fait, pour lui prendre par les Maison Blanche là. Est-ce qu'il va aller en prison? Nous ne connaissons pas. Merci Jean-Aubert. Merci un peu et gentil Augustin Junior. On a parlé dans New York côté déjà dit nous que régia et communication est rétablie. Mais on a dit que Conseil de sécurité des Nations Unies réuni jeudi à dans New York sous demande la Chine à la Russie pour discuter situation dans le pays d'Haïti. Nous gagnons sous place collaborateur nous Valérie Saint-Louis qui sous place lui-même. Qui dit nous qui raison est-ce que raison qui justifie demande ça Valérie?
dans moment on a parlé là Jean-Robert Dobnana qui c'est quartier général Nations Unies dans la cour Manhattan et ben conseil sécurité a en réunion sous dossier sous cas pays d'Haïti. Après réunion ça il fait nous connaître qu'il y a des consultations qui a fait des portes en porte fermée toujours sous dossier Haïti. Et ben réunion ça il vini par sous appel sous demande deux pays membres conseil sécurité qui c'est pays la Chine avec pays la Russie qui m'a dit pour discuter possibilité pour que pays Équateur à pays États-Unis qui ont même proposé pour ta transformer mission MMAS la mission d'un moment qui en Haïti en une opération maintien la paix Nations Unies en Haïti. C'est raison réunion ça. Une réunion en urgence encore une fois n'a rappelé que pays la Chine avec pays la Russie m'a dit pour faire sous dossier ça. Et ben n'a rappelé que c'est et ben une résolution qui était sortie résolution 2699 n'a rappelé qu'il même yoté signé résolution ça dans date 2 octobre 2023 qui était justement autorisé mission MMAS là MMAS en nous dit bito déployé en Haïti. Donc je dis à pays Équateur, pays États-Unis, il y a poussé, il y a pu négocier puis ouais, si membre conseil a tombé d'accord puis au signer une autre résolution, fois ça puis arriver transformer mission qui sous place kounya là, mission MMAS là en you et ben opération maintien la paix Nations Unies en Haïti. C'est causé ça qu'a discuté en dedans là. Mais là faut qu'on ait que négociation, discussion a fait, faut nous tenir compte de plusieurs aspects. Dans aspect ça yo n'a mentionné deux dans yo, aspect financier, aspect l'argent. N'a rappelé que tu as supposé gain 2500 contingents et policiers qui t'a supposé faire partie de mission ça, mais jusqu'à présent nous joignent ces 400 dans yo que pays Kenya voyer à l'Haïti, dans 1000 que t'ai proposé que t'ai d'ailleurs, yo t'ai dit que t'a bail. Dans pays Caraïbes même nous joignent 24 contingents policiers qui yo même en Haïti dans mission ça. C'est pays Jamaïque, Belize avec pays et c'est ça pays Belize qui bail et contingent ça. Donc remarquez que pas arrivé juin 2500. À part de aspect ça, gain aspect l'argent tout n'a parlé de ça et ben et secrétaire général des Nations Unies a un rapport que Binu te bail. Yo fait qu'on est que yo arrivé réuni seulement 85 millions de dollars dans fond pour ta supporter, pour ta sponsoriser, financer mission MMAS qui dans moment en Haïti. Et c'est on l'argent pas même joindre moitié l'argent parce que eh bien, donc, Valérie, donc, on a dit que, faut nous rappeler aux téléspectateurs que la Russie, avec la Chine, eh bien, c'est deux pays qui gagnent droit de veto dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'autre point capé domine l'actualité, l'Ukraine utilise missiles pour réattaquer, lancer l'autre attaque encore sur la Russie, après les États-Unis étaient déjà autorisés pour utiliser missiles que le fabriquer lui-même. Et cette autorisation qui était jeune et qui a été commencé à utiliser mardi 19 novembre, dans Sandra Lemaire. États-Unis pral permettre Ukraine servir avec mine antipersonnel américain contre troupes russes d'après sa secrétaire défense américain Lloyd Austin fait connaître. Monsieur dit ça pral aider Ukraine ralentir progrès la Russie a fait sous champ de bataille là. The landmines that we would look to provide them. Les mines terrestres, nous tabayo, tap mine qui pas persistant. C'est vrai dire, nous qu'à contrôler qui l'œil a activé, explosé, et ça rend nous beaucoup plus sûr par ses qualités appareils y a fabriqué pour contre. C'est deuxième gros changement dans la politique li, vis-à-vis Ukraine que Washington a annoncé semaine ça. Puis bonheur, il était décidé quitter Ukraine ciblée territoire russe avec missiles américains. La guerre a dépassé 1000 jours à partir mardi et pour plus fort, la Russie a valé terrain. L'armée russe la plus grand passé par Ukraine, ça qui forçait Ukrainiens à faire back dans la région Donetsk là, côté civil ukrainien yo a fait face avec attaque drone russe et puis missiles tout le temps. Drone et missiles ça yo sorti en dedans la Russie. Les États-Unis avec l'autre ambassade occidentale yo dans Kiev t'ai fermé porte yo jeudi mercredi a, après la Russie t'ai menacé pour lancer au Kokenchen frappe aérien. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra, expert fait qu'on est pauvreté à grand goût, c'est facteur principal crise immigration mondiale là. Dans moment sommet G20 a déroulé dans pays Brésil, et ben expert mandé leader G20 yo mettre en place programme social qui capable garantir sécurité et puis aider combattre cause réelle qui force moun yo couri quitter pays yo. On a le ça plus près. Parce que là, la situation est
Steve Seyid, qui a 22 ans, c'est un Haïtien qui étudie sciences politiques dans le pays. En 2023, il a quitté Haïti pour être capable de chercher une vie meilleure de l'autre côté parce que il n'y a pas de travail et le problème de sécurité a été exagéré. Là, la situation est difficile. Steve déclaré par le journaliste Savoir de l'Amérique, la situation dans le pays a été tellement difficile. Moi, j'ai choisi aller au Brésil à cause moi j'ai tendé à gagner opportunité de travail, mais avec façon peuple brésilien accueille immigrants. Pour Steve d'arriver au Brésil, il était allé en République dominicaine sans document légal, une initiative qui est dangereuse et coûte cher. Steve dit qu'il était échoué la première fois, mais il était retourné en République dominicaine côté il passait un mois à travail pour économiser l'argent. Ensuite, il était joué un visa humanitaire pour aller au Brésil, côté de la vie jeudi, en attendant qu'il gagne une stabilité économique. D'après la police fédérale brésilienne, il y a environ 164 000 Haïtiens qui vivent dans le pays. Experts ont déclaré leader 20 pays plus riches qui ont participé dans le sommet G20 dans Rio de Janeiro au Brésil, besoin de mettre en place des ressources pour intégrer les immigrants dans le nouveau pays d'accueil. Là. Perspective. Paulo Higues, mandataire centre droits humains et citoyens immigrants qui basé dans São Paulo, déclaré question ça a toujours dans calendrier discussion yo, il a parlé de droits humains. L'idée G20 de reconnaître problème immigration arrivé à cause problème structurel tant cou pauvreté, désastre environnemental, la guerre avec conflit. Dans la déclaration finale là, l'idée G20 est d'accord, il est important pour empêcher immigration irrégulière et puis ba réponse aux racines qui cause moun sa rap déplacé tant kou grand goût avec pauvreté. Wellington Dias, ministre environnement brésilien, déclaré migratoire. Eu sempre defendo que a fome tem 2,4 milhões de monde qui vivent dans la pauvreté sur planète là. En plus de question immigration, moi toujours parler pour dire gangou avec pauvreté pas seulement problème pour monde qui gangou ou bien qui vivent dans la pauvreté. C'est un problème pour classe moyenne. Pays riche, avec monde qui riche. Ministre a ajouté, monde qui désespéré, capable de changer pour commettre crime. Ça cap créer problème pour tout le monde. Une initiative importante dans ce sommet, c'est la création d'une alliance globale contre la faim avec la pauvreté. Alliance a pour objectif transférer l'argent cash pour 500 millions de monde à cantine scolaire pour 150 millions de monde, plus passer 80 pays. 24 organisations internationales, 9 institutions financières internationales et 31 organisations philanthropiques font partie à l'instant. D'après les Nations Unies, les relations entre insécurité alimentaire, migration avec mouvement population influencent sérieusement avec changement climatique, là, désastre naturel, conflit avec pauvreté, qui était thème principal leader G20 abordé pendant le sommet Rio de Janeiro. N'abrité toujours dans nouvelle concernant immigration, immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis légalement sous différents programmes exprimés qu'étudiant après déclaration président élu à Donald Trump fait pour dire la mettre dehors immigrants qui vivent dans pays à sans document légal. Luxon Saint-Ville de Péta Floride. Moi rentré ici depuis 27 mars 2024 là et 27 novembre dans pas pratiquement 8 mois depuis moi là. Stéphane Bully a vécu avec un ami qui était décidé d'accueillir dans Floride après qu'il était fini de rentrer sous le programme Biden. Presque 8 mois après, jeune dame ça, grâce à Xamili, a commencé à intégrer, apprendre anglais et puis chercher travail. C'est lui-même qui était d'accord pour te prendre la caille. Et c'est lui-même tout à travers l'organisation que le gagné, qui c'est ICO, qui accompagne dans presque tout ça que moi a entreprendre et qui fait que moi t'ai vinn ouais toute bagaille t'ai paraît plus facile par rapport avec quelques autres monde même Jacques Stéphane Tercis Johan pour qu'on gagne l'année depuis rivé dans Fort Lauderdale l'état Floride m'te fait environ de 6 mois Mexique m'rentre ici 17 décembre. À cause du travail, Johan, nous t'es obligé de venir rencontrer à Clé dans l'école côté la pape en anglais. Jeune garçon, 30 l'année, ça a dit depuis Donald Trump fin élu président, la ville, pas même Jean encore, plusieurs idées a passé dans la tête. Quel que soit le monde immigrant qui rentre en dépression, pour moi-même, ça te caché en même, je me sens vraiment mal. Par contre, qui côté me garde? Stéphane, lui-même tout dit la vie avec un pile stress depuis jouer l'élection. C'est comme si ouais, on a géré un stress deux fois.
stress que tu as fait pour Haïti, et puis ça a ajouté ce stress. C'est comme si ou est ou non éternel stress. Incertitude envahit des compatriotes sayo qui posent tête yo en pile question. Sou yon retou possible en Haïti. Ba kwe gen anken moun nan mouman sa kap di ke si ap voye ou Haïti, ki ta di ke ou pre. Men gen yon bagay tout ke nou pa ka empêche, si tout fwa ke sa ta arrive, nou pa gen chwa ke retounen la kay non. Se tounen la kay la problème, lò tounen ki sa ou pral fè, eske ou pral ka vive Haïti, jan Haïti e la. En attendant président élu a mette plan déportation liye en exécution, Stéphane et Joanne Diab continuent à mettre connaissance dans la tête et puis travaillent pour aider les familles en Haïti. Depuis Miami, l'État Floride, Luc Saint-Ville pour VOA Creole. Nous arrivons dans la première partie du programme qui passe sous lundi pour arriver vendredi à 4 étapes sur toute affilée de New York. Rite branché, nous allons tourner par les ça. En Haïti, l'activité est paralysée dans la capitale de Port-au-Prince à cause de ces frappes qui existaient entre la police avec gang armée. Quelques responsables politiques encouragent la population à défendre tête contre l'attaque de l'armée à faire sous yo Emmanuel. Dernier développement qui gagnait dans le pays d'Haïti, dans ce qui concerne la sécurité, préoccupait divers responsables politiques. Côté gang Ameo continue à valer terrain dans la capitale haïtienne. En guise de réaction à comportement population qui décide de défendre tête li, ancien premier ministre Evans Paul courait des marches ça, mais mandé décide pour accompagner population. C'est mandé tout le monde de bonne volonté, tout vrai patriote courait peuple là. Dans travail l'a fait pour protéger tête li, pour protéger pays. Pour protéger le monde de bonne volonté, pour protéger le monde honnête. Je dis au peuple là, faites attention, veillez infiltration, évitez pour ne pas faire mon abus, pour ne pas tomber dans la même méthode avec bandits. Bon côté pal, leader Uni Roland, Clarence Renoir, mandé pour réactiver Commission nationale désarmement, démantèlement et réinsertion. Dialogue avec gang possible. Mais ce n'est pas dans n'importe condition. Dialoguer avec des gangs, des bandits, des kidnappeurs ou des quoi que ce soit, ça se fait dans tous les pays au monde. Hein. Mais il n'y a pas fait au grand jour. Il y a une façon pour le faire. Et moi, je pense qu'il faut que nous arrivions dans une sorte de compréhension du problème non, pour que nous adressions, nous posions des solutions à lui-même. Car la vie, interconnexion, c'est de gagner un département, une capitale, la capitale, il n'y a pas gagné. Donc il faut que nous trouvions une solution à ça. Claude Joseph, responsable parti aidé, dit lui-même l'hypothèse solidarité à déplacer. Dans le moment où on a parlé là, aider dans la solidarité, c'est mon don ça qui partage dans la partie. C'est solidarité avec mon solido, avec mon nazon, avec mon quoi de bouquet. C'est solidarité avec mon toute la et dans le pays, mon poisson de cap mourir. Mais c'est solidarité tout avec bon déplacé ça. Qui avec un paquet de Simon dans Babouayo, ils ont abandonné les sépocons. Donc c'est ça, c'est le mot d'ordre. Capitale haïtienne toujours sous pression. Dans le quartier Delma et Pétionville, population mobilisée bon côté police nationale là pour faire échec à toute tentative bandit arméo pour contrôler quartier Sayo. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Dans l'autre nouvelle instabilité qui est dans la capitale, la force et organisation Médecins sans frontières suspend l'opération jusqu'à nouvel ordre. D'après une correspondance, Steven Aristide, depuis Port-au-Prince. Organisation Humanité Médecins sans frontières a annoncé à Emadia qu'il a campé toute activité dans Port-au-Prince et dans la zone métropolitaine à cause de niveau violation qui a augmenté et de menace que l'agent policier fait sur le personnel. Activité ou ap campé à partir jeudi mercredi à jusqu'à nouvel ordre selon ça vous fait connaître dans communiqué à Christophe Gagné qui c'est chef monsieur MSF là en Haïti déclaré nous habitué travail dans conditions sécurité qui pique grave passé ça en Haïti ak dans l'autre pays dans monde là mais laisser la police qui vient menace pour nous pas gain l'autre choix c'est camper tout projet nous la même publication si là Médecins sans frontières c'était 4 attaques équipe personnel yo ak patient ou tcibi dans main quelques policiers dans date 11 novembre pour arriver 18 novembre là. Yon nan yo, se menas la mort yon policier en civil examen nan men te fè sou yon ambulansyo nan Kafourita
qui t'a transporté personnel médical yo. Chef mission a déclaré action ça a forcé nous suspendre recevoir et transférer patients dans 5 établissements médicaux nous gagnent dans capitale là. Médecins sans frontières prend des bons gens garantis pour sécurité et respect médical et humanitaire yo. Ni bon côté groupe examen yo, ni bon côté brigade examen yo, ni bon côté la police pour yo capable de commencer travail. Moi c'est Steven Aristide depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Programme ça associé Washington DC grâce à support et contribution journaliste service Creole là dans Washington DC avec l'autre côté. Pas déplacé, n'a tourné après une pause. Manifestation déroulée dans ville tout près ville Cap-Haïtien dans occasion journée internationale droit Simon yo Gérard Maxino. Yo te plusieurs centaines d'élèves pancarte nan main yo qui t'ai participé mercredi 20 novembre 2024 là dans marche ça dans commune Quartier Morin dans occasion journée internationale droit Simon yo. Simon yo t'a demandé la paix dans le monde, la paix dans pays d'Haïti. Nous besoin la paix pour nous vivre. Nous pas qu'à vivre dans un pays qui a un conflit. Nous avons une chance pour aller à l'école. Mais il y a des zones, c'est des petits qui pas aller à l'école. Manifestation ça fait partie des campagnes frappe pied pour la paix que SOS Village d'enfants organisé dans le cadre 35e anniversaire de la Convention des droits de l'homme, selon Mme Fahimi Loiseau, qui est directrice générale SOS Village d'enfants. Dans le pays d'Haïti. La campagne dans nous lancer, c'est pour nous dire non à la violence, oui à la paix. Nous avons un paquet de Timoun depuis plusieurs années, le pays a souffri, le pays a brûlé, et Timoun, c'est le Timoun qui a été crié en silence. C'était l'occasion pour l'Institut Bien-être Social lancer un appel pour Timoun dans le pays. Eliazar Henri-Claude, c'est directeur départemental. IBS. Yon nan magay kom fèche de poule, à chaque fois moi yon nan couche ki pi vulnérable en dedans population ki c'est ti moun ki a mandé la paix. Lorsque ti moun a mandé la paix, ou senti vraiment gien des bagay ki pa marcher en dedans société yon. Et c'est là n'a gardé vraiment ça k'a passé à travers un paquet de pays nan mode là, ça k'a passé dans capitale pays à Port-au-Prince et dans l'autre département et nous dit est-ce que ti moun yon a vivre, yon pa ka aller l'école, ti moun yon pa ka dormi. Plusieurs autres institutions tant que UNICEF, Brigade Protection Mineur ak l'autre encore te prend position en faveur la paix pour Timounio dans l'occasion 20 novembre ça. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Jeudi à ce mercredi 20 novembre 2024, n'a invité au visiter toute plateforme nous pour capable connaître dernier point cap dominer actualité à. Puis avec Fred Kaimit. Plateforme réseau social Blue Sky gagne plusieurs millions d'utilisateurs qui a l'abonné à Kli après utilisateur sa yo koui quitté réseau social X la après victoire Donald Trump dans l'élection présidentielle yo. Abonné sa yo quitté plateforme X la à cause attachement mettre plateforme nan Elon Musk ak président il américain. President Trump must win. Dans semaine passée a gagne environ 2.5 millions nouveaux utilisateurs qui inscrit dans Blue Sky. Ki jan Blue Sky fonctionne? Blue Sky c'est une plateforme média social qui gagne en pile ressemblance à X que tout le monde te connaît comme Twitter. X te gagne en pile changement qui fait là dans après billionaire Musk ça t'es acheté plateforme là. Un changement c'était nouveau programme vérification avec abonnement. Gagne en pile ressemblance entre deux plateformes yo. Tant que présentation plateforme là, forme texte yo avec logo Blue Sky là. Malgré yo semblé, gagne gros différence entre deux plateformes yo tout. Tant qu'on a ça qui gagne pour avec modération, côté Blue Sky déjà utilisé un système modération qui automatique. Et puis utilisateur gagne option pour choisir qui qualité contenu ou vle ouais sur profil yo. En plus on a posé question pour connaître qui est se caché des plateformes si là et pour qui ça toute ressemblance ça yo avec Twitter. Eh bien réponse censé Blue Sky c'est un projet qui a commencé dans l'année 2019. Un membre conseil administration li c'était Jack Dorsey cofondateur PDG Twitter dans même époque.